J'habite à Bordeaux, c'est loin d'ici. J'ai fait beaucoup de trajets pour venir ici. J'ai fait 500 km. J'ai pris un bus, 8 heures de bus, donc juste pour le déplacement, pour rigoler à toutes mes blagues, d'accord? Si c'est marrant, on rigole. Si c'est pas marrant, on pense au déplacement, ok? C'est important. Moi je suis en galère d'appart. Quand? Ce soir. Ce soir? Peut-être. Bah appelle-moi. Yeah. Appelle-moi, c'est je suis dans le coin, je peux trouver je suis dans le bain. Je peux trouver un matelas. C'est un jus, c'est bon? Vas-y. Ça a été inventé? Ça a été fait. Vas-y frère. Vas-y. Bonne soirée. Tu cherches vraiment un appart où dormir ce soir? Ah frère, c'est la crise hein. En fait, c'est une très longue histoire, mais j'aime le stand-up assez pour ne pas dormir. Mais attends, mais t'as vraiment pas de plan où dormir? Explique-moi tout ça. C'est pas que j'ai pas d'endroit où dormir, c'est juste que j'ai pas d'endroit où dormir. Mais je suis pas un SDF, hein. Mais j'ai pas d'endroit où dormir. Enfin, pas tout de suite là, quoi. Quand je vois que j'ai vraiment pas de plan. Je regarde s'il y a une soirée et je vais à la soirée jusqu'à 5h du mat et je prends le premier train. C'est-à-dire je vais pas en boîte pour m'ambiancer, je vais en boîte pour juste pas dormir, pour attendre mon sommeil du lendemain. Non mais t'inquiète là, on va devenir intermittent avec l'oseille du spectacle un jour, Inch'Allah. Fini toutes ces conneries. Bon, en attendant, go Paname. Direction le Panama Café. J'arrive dans le restaurant, charisme, montre en or. J'approche la dame. Inarabe, sans défense. Une cochonne halal, quoi. Et j'ai dit à la dame, comment je t'appelle? C'est pas à toi, j'ai pas assez de sketch. Rachida, j'ai niqué l'ambiance avec la cochonne halal. J'ai niqué l'ambiance. Est-ce que vous avez vu ce malaise que j'ai créé? Est-ce que vous avez vu ce malaise? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. J'ai une blague où je dis à une rebeu, c'est une cochonne halal. Il y avait trois filles voilées. Je vais leur dire cette phrase et toute la salle a dit non. Personne ne voulait de cette blague. Et derrière, j'ai bégayé sur toutes mes blagues. Et là, j'ai appris ce soir. C'est tout pour moi. Salut. Je suis à 36 heures effectuées, il m'en reste 471 pour être intermittent du spectacle et pour pouvoir avoir un appart ou pas. Tu vois, c'est comme si tu avais un chômage, mais sauf que tu travailles quand même un peu. Parce que des blagues, c'est quand même un peu taf, tu vois. Et vous gagnez combien par mois minimum quand vous êtes intermittent? Parle pas d'argent. Franchement, je sais pas du tout. Hein. Mais pas si tu veux pas ruiner ta carrière, parle pas d'argent maintenant. Mais pas du tout. En tout cas, on gagne pas assez pour remplir des salles. Et remplir le frigo. Et le frigo. Bon, quelle heure il est là? Il est exactement 5h30. Je n'ai pas dormi parce que je n'avais pas d'endroit où dormir. Du coup, j'ai passé une soirée en petite soirée tranquille. Hein. Et là, je prends le premier train pour Bordeaux. Voilà ma vie de stand-upper. Et je reviens sur Paris bientôt parce que j'ai encore des blagues à faire ici. En tout cas, je kiffe ma vie. Je suis à Montparnasse et je rentre. Salut. Wesh, ça va ou quoi? C'est comment? Tranquille. Tranquille, la pêche. Ouais, ça y est, t'as trouvé un appart sur Paris ou quoi? Non, là, je suis chez Yacine, là, c'est mon sauveur. Pourquoi tu peux pas jouer qu'à Bordeaux? Parce que c'est Paris, la ville où tout se passe. Tu demanderas à Yacine, il a fait le déplacement depuis Mulhouse.
il s'est installé ici parce qu'il sait que c'est là où tout se passe, tu vois. Il y a Baton là-bas. Surtout ça, je pense qu'il y a une scène, ça va être une fois par mois. Ouais, c'est surtout le rythme que t'as à Paris, que t'as c'est pas vrai. À Bordeaux, tu vois. Si tu fais du stand-up et que t'habites pas à Paris, personne te connaît. C'est en termes de visibilité, en termes de crédibilité, même en termes de niveau, tout est ici. T'as jamais joué ici ? Jamais. Bah écoute, on va tester, hein. Allons-y. Bon courage. Tu vois, j'aime beaucoup ce métissage parce que du coup je suis métisse. Le problème c'est que moi j'ai envie de devenir un métisse plus. C'est-à-dire qu'il faut que, tu sais, le métisse, il y a des niveaux de métisse, tu vois. Il y a des métisses bien, il y a des métisses cool, il y a des métisses plus. Genre le métisse plus, tu vois, c'est le mec que tu vois souvent sur Instagram. Il a toujours de l'huile sur lui, abdos, tracés, yeux plissés très souvent. Il se mord les lèvres très souvent. Ça c'est un métisse plus, c'est le boss final des métisses. Putain, c'est tellement dur cette vie. Fast life. Là, on va avoir ce dernier train. Non, dans combien de temps? Dans 15 minutes.